Voilà. Alors, pour la différence ternaire et binaire, comme je vous ai expliqué, dans une mesure de 4 temps, dans le mode binaire, celui que vous connaissez le plus, eh ben, vous savez que dans une mesure de 4 temps, 4 noirs, dans 4 noirs, dans chaque noir, on peut mettre 2 croches. Eh ben, dans le mode binaire, on en met 3, et de manière un peu particulière. Alors, je vous ai fait un exemple où j'ai simplement pressé à l'octave en bas le do et do, les 2 do à l'octave, simplement les noirs. Et je vous ai fait une fois en mode binaire avec la main droite sur le do suivant, le do du milieu. Après, je me suis arrêté. Après, je vous fais un ternaire. Après, je me suis arrêté. Après, je crois que je vous l'ai fait plus lentement. De nouveau en binaire. Après, de nouveau, je me suis arrêté une fois en ternaire. Et puis, il me semble que je vous ai fait encore une fois en ternaire, mais vitesse normale. Départ. Binaire. Lentement. J'utilise que les dos, hein. Encore plus lentement. Binaire. Ternaire. Rapide.